Voilà les gars, il fait de plus en plus chaud. Matin, il pleuvait encore. Maintenant, ciel bleu. On se croirait encore en été. Donc on est dans un petit sentier où il n'y a presque plus personne. J'ai vu personne, ça fait toujours plaisir. Plus de chevaux. Donc, on continue la balade. Luna prend son temps. À droite, Luna. On va à son aise. Hein. Son aise, quand elle a envie de courir, elle court, quand elle a envie de marcher, elle marche, et quand elle a envie de glander comme maintenant, regardez les gars, elle glande. On se retrouve dans les bois, ça fait vraiment du bien. C'était à l'ombre. On a essayé de se mettre de la boue en dessous, sur le ventre. C'est vraiment un drôle de temps. Hein. Quelques jours, il faisait 10 degrés. Maintenant, 20 degrés. Waouh, marécageux. Ah ben les gars, vivement l'hiver, hein. Je pensais qu'on y était, je me suis dit je vais faire une marche de l'Adeps. Mais ben non, l'hiver n'est pas encore là, et on crève de chaud, on n'en peut plus nous autres. Voilà les amis, le loup est content. On a trouvé un gros point d'eau, mais elle n'aime pas fort nager. Donc on ne fait que regarder. Ah, est-ce qu'elle va oser? Elle a envie, elle a envie. Ah oui, 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 non. Ah bah oui, ça mouille, hein, l'eau. L'eau, ça mouille, hein, fille. On va aller voir de l'autre côté. Je vois qu'il y en a encore un autre. Bon, c'est interdit au public, mais... On est à droite. Une fois qu'elle voit de l'eau, ça y est, elle se réveille. Elle se réveille, il y a des canards. Est-ce qu'elle va aller se taper les canards? Attention les gars. Non. Non. L'eau est là. Ouais. Elle croit qu'elle va les avoir, mais elle ne les aura pas. Elle ne les aura pas.
magnifique en tout cas ici. Hein. Ouais, y a plein de canards. Et la voilà les gars, regardez là. Hé mon bébé loup, mon bébé loup. Oh, elle sait nager, elle l'a déjà fait une fois, hein. Mais elle n'aime pas du tout ça. Hein. Elle n'aime pas du tout ça. Je vous l'ai dit. Ce chien est un peu comme moi, hein. Il n'aime pas la... Il aime bien trop mettre ses pattes dans l'eau, mais pas nager. Voilà. Elle est têtue. Elle fait toujours comme elle a envie. Elle va revenir toute noire, les gars. Ah, elle a été trouvée quelque chose. C'est une gourmande, ouais, voilà. C'est une gourmande. Ouais, elle a vraiment plein de points communs, les autres. Elle a son petit caractère. Et elle n'aime pas... Elle aime bien la solitude. Elle est vite d'emmerder les gens. Regardez, elle a encore trouvé quelque chose à bouffer. C'est incroyable. Elle mange tout. Regardez. Regardez. C'est incroyable. Voilà. Et voilà. Elle a trouvé son repas. Ah bah non, c'est pour ça. C'est du parfum, excusez-moi. C'est du parfum. Ah oui, tu vas sentir bon dans la voiture. Ah oui. Ah oui. Ah, on a bien fait de venir par ici. Hein. Oh là là. Oh là là. Que ça sent. Allez. Allez, loup. Hop. Hop. On est reparti. Pour le bon chemin. Allez. Allez, loup, c'est bon. J'en peux plus de ce loup. J'en peux plus. Allez, on est reparti. À gauche, oui. Ah, magnifique, en tout cas, ici. Magnifique. On est au kilomètre 13. Et oh, le parcours est sombragé, donc on a de la chance. La chaleur est toujours là. Je crois au printemps, alors qu'on est en automne. Luna a décidé de relancer. On a fait quelques belles petites montées. Voilà. Ouais. Bon, les gars, on est suivis. On est suivi par... Ah, Beagle. Ça va, il fait ses pipis. C'est un chiot qui est tout seul en liberté, mais du coup il suit Luna. C'est un peu chaud là. Ah, il revient. Bah, les gars, on va avoir un deuxième chien avec nous. Hein. Aïe, aïe, aïe. On va avoir un deuxième chien. Ah, les gens, ils laissent leur chiot assis, quoi. Hallucinant. À gauche, Luna. Hallucinant. C'est le diable ce petit chien, il veut pas nous lâcher. En plus il emmerde tout le nerf. Regardez, il cavale. Il est fou. Regardez, il cavale. Regardez, il va emmerder le nerf. Regardez-le. Sale bête, c'est le diable. Il est pas fatigué. C'est un fou. Regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, loup, qu'est-ce que c'est que ça? Un emmerdeur. Un emmerdeur. Ah, là-bas, va. Il est pas fatigué, hein. Il fait super chaud, il court, il tape dans mes jambes. Quelle catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va retourner avec nous, hein. Il ne s'arrête pas. On a eu chaud les gars, avec la flaque qui prend toute la largeur, donc il fait 23 degrés, c'est un truc de malade. On est au 16e kilomètre. On a fait à son aise, ça m'arrange. Hein.
On a eu une bonne partie dans le soleil. Ici le vent s'est levé un peu, mais c'est du vent chaud. Et on est à l'ombre, ça fait du bien quand même. Il y a plein de flaques d'eau. On est contente. Hein. Oups. Ah oui, mais nous on ne va pas marcher dans l'eau, hein, fille. Elle aime bien ça de mettre carrément tout son museau dans l'eau. Et voilà les amis, c'est ici que se termine notre balade avec le loup. Sous la chaleur, 23 degrés. On n'a pas trop soif, il y a eu plein d'eau sur la route. On a plus chaud que soif. Bon, la balade était quand même assez chouette, malgré la chaleur. On avait déjà fait une balade à Modave. C'était beaucoup moins bien. Ici, on a terminé près du château de Modave. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Le Monde de Blacko sur Facebook et follow la chaîne YouTube. Allez, à bientôt tout le monde sur Le Monde de Blacko. Le monde à moi, ciao, ciao.